Ça a été un match difficile quand même, mais heureusement on a pu gagner le match, on a pu gérer jusqu'à la fin. Et ça devait se passer comme ça s'est passé comme ça. Ouais. Tactiquement, comment tu voyais que qu'on joue aujourd'hui? Ça va, moi je suis satisfait de mes joueurs, je suis satisfait de mon équipe. Donc ce dont je ne suis pas satisfait, je le sais et je le réglerai, c'est moi-même. Donc voilà, je suis satisfait de mes joueurs, je suis satisfait de la façon dont ils jouent, de leur réaction, de leur solidarité. Je suis satisfait de mon équipe. Beaucoup d'occasions, mais Selby, tu peux nous faire un commentaire aux occasions ratées? Ça arrive, ça fait partie du football. Aujourd'hui on rate, demain on marque, aujourd'hui on rate, demain on marque. Ça fait partie du football et la vie continue. Commentaire aussi aux performances de Youssef Rapp, tu lui as donné de la chance aujourd'hui? Oui, comme je t'ai dit l'autre jour, moi je n'ai pas de titulaire. Moi, je peux faire jouer n'importe qui. Vous voyez, j'ai tourné l'équipe, toute l'équipe là. Arsène, Roger, tout le monde joue. Donc, je n'ai pas de titulaire dans mon équipe. Tout le monde me dit que je suis fou, mais d'accord, je suis fou. Moi, je fais ce que je vois au terrain là-bas. Je prends mes décisions et j'assume mes responsabilités. Tout ce qui va se passer, j'assume. Des matchs gagnés consécutifs, qu'est-ce que ça signifie, coach? Ça ne signifie rien. Moi, mon objectif, ce n'est pas de gagner ces matchs. Mon objectif, c'est d'être champion à la fin. Donc les victoires là, je me focalise, c'est un match qui passe, je me focalise sur l'autre match. Les victoires consécutives ou défaites ou nulles, ça ne m'intéresse pas. Moi l'essentiel pour moi c'est la fin. Okay, merci. Merci beaucoup.